Moi toujours t'ai dit l'espoir fait vivre mais le pas nourri. Mais on dirait mesdames messieurs, non jour ça yo là, l'espoir semble venir à tout nourrit-il côté m'a pas la voilà. Oui. Grand pile espoir. Le à chaque fois, chaque émission me toujours ap di ou mettez la foi, mettez espoir. Bagay yo ki pou changer quand même. Moi fait apprendre là. Et moun ki confirme mes informations, c'est des journalistes. Donc ça veut dire que c'est moun ou ka fait crédit. Moi fait apprendre là, nèg yo bandi ki tap taye bande agressé yo. On dirait mesdames messieurs, bandi sa yo, yo gen les petits pieds yo, yo kite agressé actuellement là, yo atterri dans bloc yo. Nèg yo retourné. Ou le magistrat a dit, gen pou plus, monsieur dit gen pou pipiti 70 bandi ki tombé. Gen moun ki passe ça dans tété, gen moun k'ap di oh, bandi tombé, pour ça ne pas ouais image, pour ça ne pas ouais vidéo. Bandi yo tellement preocupé mesdames messieurs, yo obligé rebousser chemin. Moun gressier, yo va commencer battre bravo. Et c'est ça Koni te annoncé parce qu'elle te dit c'est petit y a privé pour contrôler territoire yo. Si yo fin pour contrôler gressier, moi garanti ou, y a avancé dans Mariani et avancé dans Martissant et soit bien mesdames messieurs, bagay sérieux va commencer, opération sérieuse va commencer. Haïti doit libérer. C'est ça nous tous nous souhaiter, c'est ça nous tous n'a prôné, c'est ça nous tous n'a demandé. Qui t'a nous dit ou conseil présidentiel là ensemble avec ministre là, ensemble avec premier ministre là, je dirais mieux. Mais yo procédé à installation mesdames messieurs, commission ou bien membre commission qui pral gagner pour travailler sur réforme pénale en dans pays a. Et c'était en présence plusieurs cadres, plusieurs ambassadeurs, plusieurs représentants, plusieurs des ambassadeurs internationaux qui étaient là, qui t'ont assisté avec cérémonie ça en deux émissions ça. Nous avons possibilité mesdames messieurs pour tendre et pour garder parce que grand pile déclaration du fait ministre justice l'a fait déclaration. Edgar Leblanc fait déclaration, restez là mesdames messieurs, ou pral gen détail yo, ou pral konn tout koze yo là. Joaseus Nader qui c'est membre coalition Guy Philippe là. Joaseus Nader qui c'est membre révolution Guy Philippe là, on se fait connaître. Ou est-ce que Jean-Tel Joseph te fait là? Ou a fait conférence de presse Jean-Tel Joseph fait quand elle prend là oui, li annoncer, li va faire ci, li va faire ça, yo va faire révolution, yo va chavirer chose, yo va mener bataille, yo va chavirer gouvernement, yo va chavirer CDP. Monsieur dit yo pas au courant. Joaseus Nader dit équipe Guy Philippe là pas au courant de cause Jean-Tel Joseph a fait. Jean-Tel Joseph s'est fait pas la régler, il pas parlé au nom de Guy Philippe. Est-ce que ça explique mesdames messieurs on division dans cas Guy Philippe là? Nous allons causer ensemble avec vous. Ou allons avoir possibilité pour tout détail là parce qu'on connaît déjà nous-mêmes depuis nous annoncer un bagaille et maintenant porter le baou, n'apporter information baou. Merci à tout le monde qui est déjà là ensemble avec nous, c'est un plaisir. Emmanuel Vertiller papa chat qui n'en joue qu'à venir là, yo t'a dû écarter monsieur, monsieur pas t'a dû guindoua comme étant même conseil présidentiel là encore par rapport avec suspicion corruption sous dos monsieur. Et bien Emmanuel Vertiller, monsieur t'a fait déclaration patrimoine ni. Mais nèg ça a tellement chat. Nèg ça a tellement mimimiao. Là là fait déclaration patrimoine, s'il gagne 10 millions de dollars mesdames messieurs, un exemple prend ensemble avec vous. Et 2 millions l'a déclaré. Vous comprenez moi? Nous allons faire déclaration patrimoine et en dehors émission ça, nous avons une possibilité mesdames messieurs pour garder, pour tendre, pour vivre exactement comment ça t'est. Directrice générale ONA a parlé de Marguerite Berthe Maresco. L'Italie répond une question la justice non vague corruption qui a gangrené ONA parce que depuis quelque temps bureau ça lui-même il fait état de un vaste dossier enquête côté enquête à mener pour chercher qu'on est exactement qui ça qui a passé dans ONA parce que la corruption a prégné en maître des lieux. Donc la justice te relève directrice là pour venir poser question pour capable dire exactement mais ça qu'on est sous dossier ONA, sous dossier corruption, sous ça qui a brassé bill ONA. Et mesdames messieurs, l'émission ça vous avez une possibilité pour tendre directrice là qui va nous plus de détails qui t'a nous dit ou non. Cité Soleil la paix faite côté
tout bandi yo sensé di yo bay lan main bandi yo sensé di tout bagay OK yo pa nan goumen encore et rete connecté ensemble avec nous madame monsieur nous pral bon plus détail parce que kite nous di ou causer la paix ça li traîne un paquet de bagay derrière ndede gite gen programme qui annoncé ndede gite gen causer bouse d'étude qui annoncé pour jouer dans la cité soleil ça veut dire c'est kounya la tegin jeune k'ap travaille dans cité soleil ça veut dire c'est kounya cité soleil tegin jeune donc ça veut dire ou la paix ça gen l'état derrière ou la paix ça qui fait là l'état accepté l'état bay l'argent pour ça. Restez connectés ensemble avec nous. Entre des émissions, ça, nous allons voir plus de détails. Nous allons analyser pour vous. Je nous habitue à faire. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous sommes contents d'entrer la caille nous. Bon vendredi tout le monde. Bon week-end déjà. Ça fait un pile plaisir. Nous allons parler, nous allons faire la route. Nous allons porter actualité à Baou. En dehors de la caille. Merci à tous les amis, tous les fanatiques qui toujours été connectés ensemble avec nous. Qui toujours été fidèles ensemble avec nous. Et nous-mêmes, beaucoup de par nous. Nous allons continuer à faire travail nous. Je nous habitue à faire. Je nous dois faire. Portez information baou en dedans la caillou. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Merci pour like ou merci pour commentaire ou merci pour partage ou et merci parce que toujours été connectés ensemble avec nous. Pas déplacé, s'il vous plaît. Juste le temps de la pause, n'a pas tourné. N'a yon badji. Ouais, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça fait un pile plaisir. Nous rentrer la caillou, nous retourner pour de bon. Nous venir, mesdames, messieurs. Tout fait, tout flamme. Nous pourrons porter actualité à Baou. Merci à tout le monde qui déjà branché nous. Merci à tout le monde qui déjà fait tête yo. On dit l'idée pour que yo partagez l'émission. Merci à tout le monde qui va jamais rater une occasion pour yo tendre nous, pour yo faire l'autre monde tendre nous tout. Merci en pile parce qu'on connaît déjà nous pas. Rien sans ou même, nous pas avancer sans ou même, nous pas gain aucun côté. Nous praler, mesdames, messieurs, merci avec toutes les amis. Donc, yon belle pensée pour nous même. Qui t'a nous dit, mesdames, messieurs, bandit dans Grecien qui t'a taillé banda, qui t'a empêché la population vaquer librement dans l'activité, bandit qui t'a campé en mettre zone, en mettre pays, et mes côtés, ma parole voilà, et la police, les forces de l'ordre haïtienne, il faut souligner ça. Faut soulever ici dans Haïti, yo mette malan de sa yo en déroute. Ce côté, pilti vagabond qui mourit, pilti vagabond qui tombe, pilti vagabond qui valait l'eau bouchon, pilti vagabond qui valait acte de naissance, pilti vagabond qui a servi par un champagne, je dis, à côté de ma palavola. Eh bien, mesdames, messieurs, ça qui rete yo, yo obligé à courir, et c'est de justesse selon les dires, selon les informations. Yo pile non, c'est de justesse yo sauvé. Yo quitte Grecien. Et qui te nous dit opération ça, c'est SWAT, c'est UTAG, c'est UDMO, c'est eux-mêmes qui mènent opération ça. Pas de Kenya, non? T'as le bras donné, Kenya va dire oui, c'est eux-mêmes qui te fait ça, c'est eux-mêmes qui te fait ça. Pas de Kenya. Et n'a veillé tout, n'a veillé dirigeant pour lui dire, c'est de conseil avec force Kenya. N'a veillé. Et vous gardez qu'on y fait très attention pour ne pas venir nous mentir, pour ne pas venir dire oui, c'est de conseil avec force Kenya. C'est la police qui mène opération ça, yo. Nous l'avons toujours dit. Nous avions besoin juste d'une volonté. Et cette volonté-là, mesdames, messieurs, c'est lui-même qui t'a manqué, nous. Et voilà, je dis, on l'a ressenti. Volonté qui pas de bien sous Ariel, là. Volonté qui pas Ariel, là, pas de mettre, là. Et je dis, là, où commencez, ouais, et où commencez, ouais, résultat, yo. Pour mon cap dit, pour date annoncé, pour mon cap dit, gars, qu'on y gagne 2 mois, pour mon cap dit, conseil présidentiel qui 3 mois, pour mon cap dit, on dit, nous améliorons 1 mois. Pas oublier, mesdames, messieurs, Ariel, je fais tout ça, là. Si le problème était aussi facile, je nous tout nous pensons là, l'étape qui te résout. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique que toute bagaille pral arranger. Et ceci pour que c'est des âmes qui viennent à terre là. Faut que nous baillons le temps. Un peu de patience, puis mettre en tête nous. Aussi facile comme si, bah là tellement pas être facile, ça n'est pas être là. Comme si nous avons bandit, là nous trouvons et puis tout bagaille fini. C'est pas facile. Pas oublier bandit, il y a gros âmes dans mes tout. Moi-même, je vis dans l'équipe Satan. Sincèrement, moi vi balle le temps. OK? M'ap suivre toujours et pas oublier toujours dit ça. Nous pas aucun monde chèque en blanc. Depuis mon fond tété, n'a pralé rigoise nous ralé rason nous pointer dans dol. Nous pas dans blague avec personne nous-mêmes. Parce que nous-mêmes c'est dans do Haïti campé. Tout ça n'a fait nous-mêmes c'est Haïti ouais. OK? Quel té Gary Conny? Quel té Edgar Leblanc? Quel que soit monde, depuis fond tété, n'a dénoncé au frère.
gagne penser n'a venir là faire ma carte nous venir penser journaliste pour parler pour nous journaliste pour parler en faveur nous pas gagne bagaille comme ça n'a parler pour n'a parler en faveur faut ou mériter pour nous parler pour nous parler en faveur donc quittez nous dire mesdames messieurs opération lancée opération menée et n'agresser côté m'a parler voilà selon toute information OK et ben gagner en pile bandi qui t'a dans graisser ça qui tombé mais grand pile les autres tout quand m'a pas la voilà yo obligé quitter graisser parce que bagarre la terre pour yo donc c'est pour l'autre monde voisin yo c'est pour monde les organes c'est pour monde petit quoi monde grand quoi c'est pour yo veiller parce que me pas sûr tout bandi yo quitter espace la vrai mais yo t'a pour un paquet de territoire mais yo t'a qui contrôle un paquet de territoire donc faut monde yo veiller activer bois calé à souple moi me toujours dire lui même qui seul zam nous et c'est plus gros zam que nous là OK bois calé ces zam nous pas de jambe déposer royo dit ou soldat pas déposer zam et ben nous même population nous pas de jambe déposer zam nous bois calé c'est lui pas nous en activer parce que c'est ça seulement qui a bon résultat c'est ça qui a aidé nous sortir dans situation là mesdames messieurs dans cité soleil il y a la paix qui fait je nous dis ou là et gouvernement montré que lui contribuer dans ça qui est là dans cité soleil mesdames messieurs donc ça nous même n'a dénoncé au clair. OK, n'a pas été retourné sous dossier ça. Qui t'a nous dit ou pendant ce maintenant où tu ouais Jean-Tel Joseph monsieur fait conférence de presse. Monsieur quand même monsieur dit monsieur lancer manifestation, monsieur lancer mouvement, monsieur dit il va chavirer gouvernement ça qui là. Monsieur dit il va chavirer toute bagaille. Conseil présidentiel il va finir ensemble avec lui et monsieur joine appui plusieurs autres monde. Parmi monde monsieur joine appui, monsieur joine appui maître Franz Jules. Côté, yo dit oui, yo engagé nous bataille coalition réveil national, yo engagé nous bataille y a chavirer gouvernement ça qui là. Mais qui t'a nous dit ou mesdames messieurs, équipe Guy Philippe là dit pas au courant. Hein, gros bosé, équipe Guy Philippe là dit pas au courant nous. Ça dit ça Jean-Tel Joseph fait là ça est causé par lui, pas engagé Guy Philippe, pas cité nous Guy Philippe dans causé nous. Et mais qui t'a nous dit ou mesdames messieurs, Joacelyne Snyder qui c'est membre coalition Guy Philippe là. Li dit lui-même, li pas dit Jean-Tel Joseph pas fait cause pas, mais piga ou nous, mais nous, Guy Philippe, nous cause Jean-Tel Joseph annoncé yo. Bon, mais bon, faut attendre Joacelyne Snyder. Joacelyne Snyder qui a dénoncé situation ça quand elle dit, Jean-Tel Joseph, grand monde, li ka fait salve, mais mes amis, piga, aucun monde a associé ça qu'a fait là, ensemble avec Guy Philippe, parce que Guy Philippe pas au courant, ça c'est initiative Joacelyne Snyder lié. Nous invitons à suivre. Bon, yon nan bagay non te besoin clarifier, c'est pas directement parce que m'attend de sortir nan bouche DG. C'est concernant série de informations sur réseaux sociaux qui fait croire que bientôt sénateur Guy Philippe va entrer dans palais avec appui et monsieur Vivant Samuel. Moi je veux dire non et okay. En aucun ça pas sorti ni dans équipe Guy Philippe ni dans Guy Philippe lui-même. Et concernant une série de menaces qu'a fait, moi dis yo li pas sorti dans Guy Philippe et dans équipe Beto. Donc sorti DG Jean-Tel là pas gain rapport directement avec Guy Philippe l'équipe, c'est ça? Bon, et sorti concernant que nous pral font série de bagages concernant et rapidement pour nous mettre gouvernement ça à terre, m'pa quoi nous ko gain moyen politique, nous on a travaillé sur ça okay. Et journée nous dit on bagage n'appel. Donc mobilisation qu'annoncée, c'est pas nous, c'est pas Guy Philippe. C'est pas nous. Et Jean-Tel pas bien dans le réveil, il y a une possibilité de faire une série de bagailles qui est indépendamment de Guy Philippe. Est-ce que vous trouvez là avec Jean-Tel, nous gagnons pour nous parler ensemble, pour nous discuter ensemble, pour nous concerter ensemble, pour nous voir comment nous prenons disposition pour nous renverser ça qui là. Ministre, il a pas grand peuple. Pardon? Est-ce que vous voulez dire nous tout? Quelle que soit la communication qu'a faite au sujet de Guy Philippe ou de l'équipe, li, et c'est ou même moun d'attendre ou bien ou moun qui ou bien porte-parole Guy Philippe moun d'attendre? Et ou katande porte-parole Guy Philippe qui c'est Patrick ou katande mto. Ok, donc bientôt nous pral di ki moun pou tande directement okay. Parce que nous avons une plateforme politique nous pral mette de bientôt okay. Pour nous dire clair et ki moun pou tande tout ce qui a trait de Guy Philippe concernant révolution. Mais non pas dire que équipe révèle pas dans révolution, non pas dire ça. Okay. Et Jean-Tel toujours gain bon rapport avec président Guy Philippe, c'est évident. Son l'aile dans mouvement. Et son l'aile dans mouvement. Quand bien même, mais président Guy Philippe souhaitait
souhaiter tout nèg rentrer dans seul et mouvement qui plateforme qui va non mais, si la fête gars est comme ça chaque nèg a pris les affaires par balanti en dérangé. Exact, et c'est ça et et puis ces gars et pas qui met en ont toutes mes têtes nous ensemble et matin là m'a parlé avec directeur DG Jantel qui d'accord pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire un bagage concerté là nous dit un bagage pour nous caper pas oublier chaque fois on dit un bagage qui concerné et Philippe il n'a pas réalisé, ça agit tout caractère et personnalité, ça affaiblit, et par voie de conséquence, il affaiblit tout le groupe là. Voilà pourquoi nous tous, nous avons intérêt. Là, nous disons bagaille, nous connaissons nos moyens politiques non, pour nous faire. Si nous n'avons pas de moyens politiques non, pour nous faire, eh bien, le public ne prend pas prendre au sérieux. Et pas oublier, Guy Philippe Sonnet qui a un très grand caractère, une très grande personnalité, nous avons pour nous respecter ça. Alors, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous clair, parce qu'il y a une question, dialogue, qui a parlé, en bataille, quelques membres. Nous clair sur ça. Pas de dialogue en bataille pour aller prendre poste dans la question pour voir qui là. Non, pas reconnaître, yo. Et yo là, son série de nègres qui viennent prendre pays en otage, et son gouvernement colonial qui concerne directement étrangers, n'ont pas grand rien à voir avec eux. Au constater, c'est pas rien qu'à régler. Je dis avec pitié, m'attendez, docteur Kony, non radio sœur qui a parlé. Vraiment, c'est triste pour le pays. Bon, nous n'avons pas rapide. Vraiment c'est triste et on a dit et société occidentale là choisit moun li connaît k'ap détruit pays ça pour le mettre à la tête et c'est exprès juste pour qu'a prouver le monde entier que nous sommes incapables de diriger ce pays. Et déjà autant de tout scandale qu'a passé yo question BNC nèg k'ap prend l'argent et yo dit à son 25 et ça rappelle nous installation conseil présidentiel là c'est rappelle très bien. Bon, moi, je ne vais pas parler de eux, je toujours dire que je pas grand rien à venir remettre. Rien. Je viens défendre le corps. Et je montre ça. Et tout le monde connaît, c'est ça, je viens de notamment la société occidentale qui est en Haïti. Je connais très bien, mon Jean Météo, les vins prouvent le monde entier, Haïtien c'est corrompu. Mais quand j'en compte mon Météo, eh bien, ces pays ont besoin de détruire, banaliser devant le monde entier. Voilà, mesdames, messieurs, vous t'attendez, Joaçaïus Nader qui lui-même. Et dit li pas dit Jean-Tel Joseph pas mener action, li pas dit Jean-Tel Joseph pas poser action, pas dit Jean-Tel Joseph pas faire ça le mais cette idée y a indexé le conseil de bagay, li dit bon parlons maintenant Guy Philippe nan causer ça parce que Guy Philippe pas voye aucun moun al négocier, Guy Philippe pas voye aucun moun al faire rien sous nous, Guy Philippe pas engagé aucun moun nan aucune bataille de chaque grain moun a mener bataille et monsieur même dit si on moun besoin connait qui ça Guy Philippe va faire c'est lui même pour demander. OK. Donc ça veut dire Jean-Tel Joseph qui fait partie de l'équipe Guy Philippe là avait sorti de monsieur fait pendant semaine là côté monsieur fait connait tout ça qu'il fait là et cetera. Donc équipe là nous va faire révolution Guy Philippe pas là-dedans selon toute information selon Joaçaïus Nader. Donc restez connectés ensemble avec nous mesdames messieurs peut-être dans l'autre émission n'a qu'à gagner pour nous venir ensemble avec information ça pour nous dire exactement mais comment ça y est mes positions Guy Philippe et réponse Jean-Tel Joseph tout parce qu'assurément Jean-Tel Joseph lui-même tout il va le tenter bail une réponse il va le tenter venir avec un bagaille soit pour le démentir ou bien pour le corriger ça Joaçaïus Nader lui-même il dit à qui ça nous dit mesdames messieurs au conseil présidentiel là. Ensemble avec le premier ministre, il y a procédé à l'installation de la commission qui a pour travailler sur la réforme pénale en APIA et c'était occasion, mesdames, messieurs, pour que Edgar Leblanc, qui est président du conseil, ait prodigué des conseils ensemble avec Mounsayo et rappelé les défis à bien devant eux. Il faut que nous disions que c'était. En présence diverses personnalités étrangères, il y a divers ambassadeurs également qui étaient là dans cadre installation ça, Edgar Leblanc qui t'a fait discours mesdames messieurs, te rappelé chaque monde ça yo, rôle y a bien pour yo jouer et défi yo gien devant yo, nous invite au suivre. De procéder ce matin à l'investiture et à la remise d'ampliation aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme pénale. L'initiative de revisiter le code pénal haïtien d'inspiration napoléonienne a toujours été salué par tous les secteurs de la vie nationale. Vieux de 189 ans, car promulgué le 11 août 1835, le code pénal devait être revisité depuis fort longtemps. Plusieurs tentatives ont été faites, mais aucune n'a abouti à la révision du code pénal. Le 11 mars 2020, un code pénal et un code de procédure pénale ont été publiés au Journal officiel de la République
en dépit des réserves, somme toute légitimes, que des avocats, des militants de droits humains, de nombreux acteurs du système judiciaire haïtien ont exprimé sur cette œuvre. Si les nouveaux codes pénals et de procédure pénale ont été adaptés aux mutations nombreuses de la société haïtienne, des articles en nombre important ont été contestés. Face aux contestations de plusieurs secteurs de la société, dont le secteur religieux, la mise en application de la réforme a été reportée à deux reprises. Pour mettre un terme au report en cascade de cette réforme pénale indispensable pour la survie de la nation, le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les deux codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Voilà les déclarations d'Edgar Leblanc-Fils qui lui-même t'a expliqué à clair, mais qui responsabilité Mounsa ou même, yon gagné. Qui t'a nous dit ou bon côté parle, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, n'a parlé de Carlos Hercule en la circonstance lui-même tout, lui t'a parlé, lui fait discours, mesdames, messieurs, et toujours est-il, lui rappeler Mounsa ou, responsabilité y'a gagné, wall y'a gagné pour yon jouer, ça y'a gagné en main, yon pression tout yon bral gagné devant yon, nous invitons à suivre, mesdames, messieurs, déclaration Carlos Hercule. La tâche qui m'incombe aujourd'hui est de procéder à l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investi dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes et dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde, concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité, appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du succès dans vos travaux, avec à l'esprit
la limite de temps qui vous est impartie, dont je demeure convaincu, vous en ferez bon usage. Bonne chance, Madame, Messieurs les membres de la Commission. Tout l'exécutif vous accompagne dans cette œuvre nécessaire et essentielle à l'état de droit démocratique haïtien, dirait le feu bâtonnier Montferrier d'Orval. Voilà, mesdames, messieurs, vous t'attendez Carlos Hercule, qui c'est ministre de Justice et Sécurité publique en Haïti, qui t'a fait intervention lui dans l'occasion installation membre commission qui peut le gagner pour travailler sous anti-réforme code pénal, parce que, mesdames, messieurs, c'est un sujet qui bat un pile problème dans le pays. Et nous songeons tout dernièrement, côté on t'a publié, bah, ça, côté t'es un gros réel, gros bruit dans le pays. Tellement, si on va équiper un problème, donc nous demandons à ce que la commission ça lui-même, il va faire travailler de manière correcte et pour que le pays lui-même, il va doter de un code pénal de manière correcte. Quitte à nous dire, mesdames, messieurs, Emmanuel Vertilaire, papa chat, qui se représentant petite de Saline dans le conseil présidentiel là, qui c'est également yon nan moun qui gen suspicion corruption soudol, parce que le nom de yon gen trois membres conseil présidentiel là qui prend gros l'argent ou bien qui mande ou bien qui exige gros l'argent pour yon capable reconduire un moun nan tête président conseil administratif BNCA. Et bien qui te nous dit, monsieur t'al fait déclaration patrimoine ni. Pendant monsieur t'al fait déclaration patrimoine, mesdames, messieurs, il te profite passer dans ULCC. Il était profité passer dans bureau on dit commissaire gouvernement Port-au-Prince là, nous invitons t'entendre parce qu'il t'a fait des déclarations et il dit il constater que c'est un tribunal qui tombé en ruine. Monsieur dit grand pile travail qui vous fait. Nous invitons à suivre, mesdames, messieurs, déclaration Emmanuel Vertilaire. Nous voilà la parler de Port-au-Prince et particulièrement dans le grand tribunal là. Et côté de venir rappeler formalité dictée par la loi du 12 février 2008 et sur la déclaration de patrimoine et des personnalités politiques et des grands fonctionnaires, des agents de la fonction publique. Et moi profiter et occasion tout et à propos de faire du droit pour me visiter le doyen tribunal de première instance et puis tout et avec avec le commissaire du gouvernement qui trouve dans le parquet du tribunal. Et visite-moi et permette-moi de constater le problème du tribunal provincial de Port-au-Prince et ensemble avec le parquet. Il est inconcevable pour que la justice lui-même, qui est rendue au nom de la République, et puis pour constater une série de petits salles exécutées, côté greffe la logée, salle d'autres dans ce tribunal-là. Et bureau commissaire du gouvernement, bureau doyen, il n'est pas possible pour que la justice abaille dans le pays, dans un bâtiment comme ça. Donc c'est une nécessité. Et moi-même, en tant que conseiller président, qui est responsable de chantier de justice, en tant que conseil et présidentiel de transition, et moi pour le faire porte-parole de système, moi de toute sa globalité, moi le porter message là, ben conseil là, et ensemble avec le gouvernement, nous sommes capables d'adresser le problème de justice là et n'ayant un record pour que il y ait quelque chose qui fait pour nous retirer tribunal de première instance de Port-au-Prince, l'un des grands tribunaux du pays. Côté où il est là, il n'est pas possible. Donc la justice lui-même, il n'est pas capable de reléguer au second plan. Et si nous avons besoin de pays nous développer, nous avons besoin de pays nous sortir de la situation côté où il est là, eh bien, il faut que les hommes politiques de ce pays aient priorité à la justice. Et c'est ça qui explique pour que ça se met dans le tribunal de l'instance de Port-au-Prince et n'a pas qu'un de Port-au-Prince. Président, loi 12 février 2008 précise que vous supposez faire déclaration de patrimoine ou 30 jours avant qu'il m'installe. Qui ça qui explique, c'est après 30 jours, moi-même, qu'on fait déclaration ça. Eh bien, et il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Donc il n'y a pas de sanction que la loi ça prévoit pour
et on est capable de faire déclaration tardive, c'est le défaut de déclaration qui est prévu et puni par la loi, mais la déclaration tardive n'est pas une infraction. Et qu'en est-il de notre conseiller? Bon, on va connaître chaque monde a fait pareil parce que c'est un bagage qui est personnel. L'individuel, c'est chaque conseiller qui vient pour passer dans le greffe-là pour faire déclaration. Voilà, mesdames, messieurs, vous t'attendez, Emmanuel Vertilien, songez nous dire. Je sais, il y a un monde qui a un dossier sous dol, dossier corruption sous dol. C'est un monde qui a vu dans le 4 ans de monsieur, pas chef encore. Et n'a pas rappelé toujours, c'est un représentant petit des salines. Représentant Moïse Jean-Charles. N'a pas rappelé ça. Ok? Donc ça veut dire, monde Moïse Jean-Charles Météa, il est impliqué jusqu'au cou dans le dossier corruption en DBIA. Et ça fait. Et nous-mêmes, il faut que nous continuions à suivre vous. Et faut que vous êtes très vigilants pour vous-même. Parce que tellement de foules qui ont fait la terre. Moi, Jean-Charles montre l'affaire à finir. Il n'y a pas de bagaille à faire. Ou même, vous mettez dans la tête où moi, Jean-Charles, sur mon sérieux. Faut que vous veillez. OK? Parce que, monsieur, il y a un gros l'argent dans le monde. Ou dans le Rosemont, j'ai dit, monsieur, il a acheté caille pour 700 000 dollars américains. Donc, ça veut dire, moi, Jean-Charles, comment ça accumule une grosse somme d'argent? Faut que vous veillez. Parce que, bah, y a pas petit ici. Qui a nous dit, madame, monsieur, directrice générale ONA, on a parlé de Marguerite Bert-Maresco, lui-même qui te répond, question de la justice, dans le cadre d'enquête qui a mené sous dossier corruption dans ONA, ONA que lui-même lui a dirigé, mais ONA qui, depuis ces derniers temps, lui tourne un véritable cirque, lui tourne un véritable bastion de la corruption. Et côté, mesdames, messieurs, mais la corruption, la première en maître, et la justice lui-même qui saisit le dossier ONA, il a demandé directrice à vous. Devin dit, mais ça le connaît, le dossier, donc il a parlé parce que il connaît la corruption, mais il a voulu une information pour dire exactement, mais ça le connaît. En faut attendre, mesdames, messieurs, directrice ONA qui c'est Marguerite Bert-Maresco. Nous venons là pour, à titre d'information, ok? Nous avons une information qui est ouverte par rapport à un ancien directeur général. Nous avons une institution de la place et juge Attari mais gagne des informations parce que vous connaissez que dans le cabinet d'instruction c'est que un dossier qui fait déjà, ok? Vous constituez un dossier, vous gagne des chefs d'accusation et job juge Akunya là c'est recherché pour voir si infraction que vous reprochez mon n'a consommé ou pas. Bon. Si une institution t'a géré avant, bah on l'autre monde il parle encore. Si elle fait enquête sous lui, c'est normal pour que toute information, il y a tant de espérer gagner pour aider le juge, pour faire lumière au juge, le monde qui l'a connu là, en fonction des dossiers pour lui. Donc, le juge d'instruction n'a pas dit monde exactement sur qui ça, la vine enquêter sous lui, c'est normal. Mais le vini poser toutes questions. Mais qui est mon ça? C'est sur audition pour direction générale ONA. Ok? Donc, directrice actuelle là doit répondre sur les questions portant sur certains chefs d'accusation que vous faites sur le directeur ancien. À titre d'information. À titre d'information. Ok, c'est pas que moun, c'est normal si vous ne pouvez pas gérer un bagage. Moun qui t'a géré à partir, ça va venir. Mais tu as aimé connaître ça qui t'a passé. Il y a demandé moun là qui sont jeunes, qui sont pensés de ci, ainsi de suite. C'est ça que nous venons faire aujourd'hui là. Et ça s'est très bien passé, c'était plutôt une audition très détendue et des questions que le juge a posées pour qu'on ait pour éclairer l'antenne parce qu'on connaît quand même le droit public, c'est une science que tout le monde supposé connaître et surtout l'objet du bien public il y a certaines règles qui sous-tendent toute action, toute transaction à faire. Voilà, mesdames, messieurs, donc c'était plutôt avocate et directrice ONA qui lui-même t'a bien des détails sous ça qui t'est passé dans le cadre audition. Merci tout le monde, nous sommes ensemble avec vous. Bon vendredi tout le monde, ça avec un pile plaisir, nous t'ai servi. Nous devons toute une semaine nous t'a parlé, pas oublier nos pitanes qui rendez-vous dans le live là. Donc, nous avons bonne possibilité pour interagir ou même qui voulait relayer. Donc, vous compte numéro déjà 36 83 90 92. Donc, mettez 509 devant nous. C'est sous numéro ça. Ou ap capable joindre nous c'est sous ligne ap capable parler sur WhatsApp s'il vous plaît, OK, relez nous sur WhatsApp pour nous capable parler, pour nous capable discuter par les pays. Dis nous mes soit penser de ça qui a passé là, dis nous mes soit penser de gouvernement gariconien, dis nous mes soit penser de CTPA, dis nous qui soit penser de on dit opération la police annoncée la mener, ça qui a passé en dedans pays de manière globale, élection qui annoncée pour année prochaine.
comment vous pensez ça? Donc, nous avons une possibilité dans le cadre de l'émission, ça, mesdames, messieurs, un peu plus tard, pour capable de faire impression, pour parler, pour dire, mais ce qu'on pense. Bye bye tout le monde. On était positif. Nous avons croisé un peu plus tard.